Ohio les amis, Ohio, et bienvenue sur le Cabou Direct. Ça faisait une semaine que j'ai pas pris le micro les amis. Ça manquait. On est vendredi 31 mai, dernier jour du mois. Il est 7h35, bientôt le week-end. Encore une journée quand même. Et on va passer du bon temps ensemble sur Paper Mario. On continue l'aventure. On est quasi au chapitre 2. On est entre deux en fait, entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Et puis, on va voir ce que ça donne. Le petit remake pour l'instant, très bon, très bon. 6 heures de jeu, voilà. Ah oui, on était là. On avait un truc à faire, mais quoi? Je me rappelle plus. Cherchons la maison de Cumulia. Elle est... Ah oui, c'est vrai, j'étais arrivé dans ces bois-là. J'étais parti sur la droite, donc c'est dans la dernière VOD. Hein. Sur YouTube, bien sûr. On avait fait ça en Cab Life. Et j'étais revenu sauvegarder, mais en fait, c'est par là que ça se passe. Et on a des strums. On pourrait faire un petit combat pour se mettre en jambe, allez. Bonjour tout le monde. Bonjour Augustin. Oh, j'ai raté. Comment il va? Changement de programme dernière minute, j'avais envie de jouer à ça. Donc on se fait plaisir. Et bien sûr, vous retrouverez le Mermaid Zenor en Cab Life avant le week-end. Comme je te comprends. Oui, j'avais pas envie de me prendre le choix avec un VN en anglais ce matin, au réveil. Faire la trad, tout ça. Je me suis dit, bon, le stream, c'est pour se faire plaisir, de toute façon. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon petit Cabou? Eh bien, continuer mon petit Mario, tout simplement. Pour un petit stream sympa. C'était l'arc petit et il vient de se refermer. Alors, carapace, bien sûr. En plus, ça met trop la patate de bon matin. T'en sais un peu plus sur ta venue. Alors oui, j'ai contacté mon pote montpelliérain. Lui, comme il fait des jeux de rôle, il faut qu'il programme un peu son mois et tout ça. Il serait plutôt partant pour dernier week-end du mois de mai. Je pense que ça pourrait arranger Archeo. Il faut que je vois avec Rayleigh aussi d'abord. On va aller squatter chez lui. Donc c'est le premier qu'on va consulter. Mais ça s'orienterait, ouais, pour le 30 ou un truc comme ça. Attends, je vais regarder sur le calendrier. Calendrier Windows. Très pratique. Ouais, ça serait peut-être du vendredi soir, du 28 au 30, quoi. Juin, pardon. J'ai dit mai. C'est juin. Ouais, tout à fait. Mais il faudra prendre les billets, là, maintenant. Puis ça va permettre à mon pote aussi d'acheter les billets en avance. Pour payer moins cher. Voilà. Parce que lui, il vient de loin. Donc, ça s'oriente comme ça, à valider avec le père Rayleigh, bien sûr. Parce que c'est lui qui va nous host. Et puis après, on prend les billets et on avance. Oh! Ce sort augmente le nombre de points étoiles gagnés. Pas mal du tout, pas mal du tout. Je vous rappelle que les points étoiles, hein, chaque fois qu'on en a 100, eh ben on monte un level. Regarde comme ça a l'air doux. Il y aurait Louis là, nous dirait, est-ce que c'est doux à ton avis? De passer dans les fleurs comme ça. On tire le pétale sur le pot. Coucou Panda, comment ça va? On est déjà allé là-dedans, je crois, donc c'est par là maintenant. Louis dirait que ce jeu n'a pas d'âme. Ah! En tant que quoi, il le dirait? C'est ça la question. J'ai déjà à peu près de tout. Ah non, peut-être pas de mini-mini. Miniaturise temporairement l'ennemi et diminue sa puissance. J'espère que ça va, Panda. Que tu te réveilles bien. Le son du jeu est pas trop faible, Augustin? Il est bien comme ça? IH et Sissi, il a dit que Stellar Blade n'avait pas d'âme. Ah. Pourtant, j'entends dire que c'est la Queen 2024, l'héroïne de Stellar Blade. Hein.
Je suis à la bourre, Kabuki. D'habitude... Ah, tu laboures ? Ah, d'accord, t'es dans les champs. D'habitude, je ne suis pas levé à cette heure-ci. Eh oui. Et pour Augustin, c'est bon le son. Ok, merci. Je vais demander Augustin parce que t'étais le premier, donc t'as un peu de recul, du coup. Ça ne coûte que 10 pièces. Allez, vas-y, fais péter. Ah oui, c'est vrai. J'avais déjà essayé de l'acheter. Et comme d'hab, j'avais trop d'objets. Mais on peut donner peut-être... Qu'est-ce qu'il fait ? On peut donner du champi à Mario. Hein. Alors, inventaire. Inventaire. Mario, tac. Encore un, allez. Voilà. Sirop de miel, donne des PF. Bah oui, voilà. Et on va pouvoir acheter... Alors, il faut pouvoir lui parler, hein. Ce serait pas mal, voilà. Alors, tu as vu Origami avec Comparo Live, Paper Mario Switch et GameCube? Non, en fait, je regarde jamais ni Origami, ni les Sumimasen. Je regarde rien, en fait. Et alors, qu'est-ce qu'ils en ont tiré comme conclusion? Il ferait mieux de jouer au jeu au lieu de faire ça. Je déconne. Mais ouais, ça peut être intéressant. Donc ils ont fait une vidéo où on voit les deux en même temps. Je voulais acheter Mini. Hop. Chacune des versions dispose de sa propre qualité. Ah, ils sont trop forts. Et laisse-moi deviner, ils ont dit que la qualité de la version Switch était le téléport. Allez, on explore. Il y a un tuyau, il y a un chemin, il y a un ennemi. Et j'ai pas réussi à prendre l'initiative. On peut pas lui sauter sur la tronche parce qu'il fait bobo. Allez, on tente la carapace. Ah, j'ai pas pu contrer. Les couleurs sont moins vives que sur Switch et après coupure internet. Ah. Ah, c'est moche. Ah, il s'est pris l'arbre dans la tronche. Ouais, il y a eu beaucoup de tâches. Non, franchement, c'est beau, c'est agréable. Bon, l'histoire, voilà, c'est la même. Et c'est surtout, voilà, c'est un hit de l'époque qui revient. Tu peux y jouer en OLED, je te raconte même pas comme c'est beau. Pour ceux qui jouent à l'extérieur. Les musiques, magnifiques. Rien à dire. Alors, de mémoire, est-ce qu'on peut sauter sur un nuage? Parce que c'est la première fois que j'en rencontre un. On peut. On aurait pu passer à travers, oui. La carapace, je sais pas, mais vu qu'on n'a pas le choix. Ça passe aussi. Ouais, c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. On va pas se le cacher, Augustin. Et c'est reparti pour le saut. Ok, point étoile obtenu. Est-ce que t'as joué aux 4 quests, mon petit Augustin? Tu sais qu'il y a le 3 qui sort au mois d'août, là. Et c'est... un peu partout, d'ailleurs. Ok, donc là on se dit qu'il y a un cul de sac, donc c'est pour ça qu'il y a le tuyau. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Ah, t'as fait que le premier. Allez, on va prendre l'avion et on va voir.
Ça nous emmène pas bien loin. Faut-il partir à gauche? Et Data me chauffe pour qu'on fasse le 2 à 2. Ah, et ben pour le 3, j'aurai une grosse surprise pour vous, les amis. Je vais pas en dire plus. Mais vous devinez sûrement. Le jeu sort au mois d'août, début août. Ça tease, ça tease, ça tease, tout à fait. Le teasing. Est-ce que je partirai par là? Non, je peux pas. Ah, du coup, faut maîtriser l'avion, c'est chaud quand même. Hein, c'est chaud parce que la distance est longue, il te fait direct piquer du nez. On va voir, on tente des trucs. On a tellement à apprendre du fameux Kabuki 76 au Japon. Ah! Tu as pris du galon sur l'influence. Ouais, franchement, ouais. Par rapport à ma taille, tu vois, ma petitesse. Disons que même si j'ai doublé, je suis toujours là, tu vois. Mais, personnellement, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, j'attends mon matos Avermedia. Bientôt, vous verrez sur tous les streams un petit logo Avermedia. Puisque ambassadeur de la marque, du coup. Il n'y a plus qu'à ce que je reçoive le matos pour sceller le contrat. Hein. Et après, on sera Switch 2 ready, les amis. Puisque c'est un boîtier 4K pour streamer. Boîtier externe, donc c'est parfait. Tout se goupille bien. Parce que mon boîtier actuel ne fait que 1K. Est-ce qu'il aurait fallu que je pique du nez? J'ai du mal à remonter, en fait. Alors, ça fait un petit entraînement. À moins que ce soit pas tout de suite, là, hein, mais bon. Il y a quand même un truc au fond, là-bas. Attendez, les amis, attendez. Comment je vais là? Non, 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 je vais pas faire ça parce que je crois qu'il y a une feinte. Alors, hop. Je peux pas aller en face là. Et ici. Ici non plus. Hein. Là, il y a un truc aussi, non? Ah, voilà. Ça veut me la jouer à l'envers. Ça veut me faire croire qu'il y a des avions. Mais c'est pas que ça. Voilà. Là, c'est pas la même histoire, les amis. D'ailleurs, est-ce que je peux aller là-bas? Le saut me paraît un peu court. Hein. Allez, on va appeler notre ami. Non, je voulais pas faire ça. Voilà, on se détend. Ah, voilà. J'avais adoré Origami King chez Augustin. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'en parle. Hein. Il y a deux Paper Mario sur Switch. Au moins, je sais pas si on a dans le NSO. Il était vraiment, vraiment top. Je vous le conseille. Si pour vous, celui-là est un petit peu trop rétro au niveau gameplay. Origami King, tout à fait. Ouais, les autres, j'ai bien aimé aussi. Bah, ça allait à chaque fois avec la console du moment, tu vois. Même le Wii U, il est bien. Mais, s'il y en a deux à retenir, je dirais que c'est cela. Après, Sigma te dirait autre chose, tu vois. Parce que lui, il kiffe la DS. Plus que les autres machines, je veux dire. Et le premier est très bien aussi. J'ai pas pris l'initiative. C'est vachement beau quand même. Hein. Aptitude, total carapace, c'est parti. J'ai tenté le contre. Oui, j'ai réussi la deuxième fois.
Ils sont incroyables. Ils veulent pas, ils veulent pas. Le petit contre, ça fait mal. Il y a stratégie aussi. Ah oui, attendez. Ah, dommage. Stratégie, défense, allez. Salut Soussou. Je te lis après, voilà, fallait que je fasse un petit contre. Salut, ça signe très tôt ici. Tu aimes Breath the Nice? Comment te dire? C'est possible. Mais connaissant le lore de la chaîne, la question peut être inquiétante. Comment ça va, Soussou? On ne l'a pas croisé chez JVFG, Soussou Kem, mais sûr que si. Chez Max Hens maintenant, et chez Terry, évidemment. Ça fait plaisir, Terry Level Max. Quelle rencontre, ce Terry, franchement. Faut que sa chaîne elle pousse parce que les gros streamers de qualité, gros podcasters, je connaissais pas, hein, j'ai découvert. On s'est rencontrés par hasard. Et vraiment. Tip top. D'ailleurs, en parlant de Cat Quest 3, la version physique, je serai c'est Just for Games. Hein. T'as tourné comme figurant dans Breath the Nice 3 pour de vrai, Soussou? Parce que moi, en fait, j'ai une récompense de chaîne Cap de Nice. Et en payant des points de chaîne très très chers, je me transforme en Cap de Nice. Et c'est assez... spectaculaire, je dirais. Et contraignant pour le streamer, mais on se sacrifie. Alors attendez, là il faut faire le coup du papier fin. Le bacan écho, ça lui avait manqué. Alors, la cam. J'espère que j'ai mis un truc derrière. Ouais. Et le bacan écho. Alors, attends, parce que j'ai l'élastique, c'est encore détendu. Faut que je refasse un nœud, mais il va finir par péter. Hein. Faut que je refasse un nœud dernier. T'as aussi un giveaway tout en Breath the Nice. Ah ouais! Un giveaway ou une récompense de chaîne? Tu streams, Soussou? Faudra qu'on aille voir ça, si c'est le cas. Ouais, l'élastique, il va bientôt nous lâcher. Hein. C'est bientôt la fin du Back and Echo. Ouais, en plus il a changé depuis la dernière fois l'overlay, mon cher Augustin. Est-ce que je peux faire un mix? Je vais le péter le masque là. Oh, tant pis pour la casquette. Tant pis pour la coupe de ses morts. C'est parti, merci. Merci mon cher Augustin. Derrière c'est le nœud, hein. Là, je sais pas si vous voyez, il y a le nœud de l'élastique. Là, c'est pas une boucle d'oreille. Ouais, d'ailleurs, le du jardin, c'est quoi? Il est drôle, il est sympa, il est humble, il est... Il fait tout le temps le con, ou ça va, il arrive à rester normal. Avec la clochette, bien sûr. Je sais pas si vous l'entendez. Oh, le petit morceau d'étoile bien planqué, les amis. On est en slow run, je rappelle. Hein.
Et vous pouvez retrouver d'autres parties en VOD, donc les parties d'avant, et puis je le fais en cab live. Je vais grave faire du cab live ce week-end là-dessus, je pense. Sauf s'il y a des trucs qui pop. Et puis j'ai 2-3 jeux Switch à montrer en cab live aussi. Notamment le Neptunia Game RPG là. Oui, excusez-nous. Bah, je vous fais pas la lecture, hein, comme dans le cab live. Alors, qui est-ce qui a gagné Farm Together 2? C'est un gars qui s'appelle Snake, qui est fan de MGS. C'est un anglais. En tout cas, il parle anglais. Il avait fait tout ce qu'il faut. Hein. Il avait retweet, il avait suivi la chaîne. Il est toujours là, d'ailleurs. Et il a gagné la clé. Du coup, je l'ai pris sur Eneba, la clé. Et comme ça, j'ai pu lui envoyer le code et tout. Il était content. Ouais, GG à lui. C'est sur le X, Augustin. J'ai mis le résultat du giveaway. Et donc, il a remporté Farm Together 2. Non, n'entrez pas. Dame Cumulia, vous êtes là? Du coup, je fais la lecture. Oui, si j'ai le droit de dire... Oui, 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 t'as le droit. Mais c'est bien de... C'est top. Tu fais comme moi, en fait. Tu demandes. Ouais. Si tu veux parler de ton stream, tout ça, y a pas de problème. C'est open, hein. On est communauté vraiment de streamers open. La moitié des gens qui passent là sont des streamers. La moitié de ceux qui lurk aussi, donc pas de soucis. C'est la philosophie de la chaîne depuis Day One. Pardon, ce Pouni, c'est Pugno, n'est-ce pas? Hey Kiminoju, notre fermière préférée. Pas fermière, je dirais plutôt industriel. Industrie de la ferme plutôt. Oui, je sais que t'es pas là pour ça, y a pas de souci. Mais si t'as envie d'en parler, t'hésites pas. Cela faisait longtemps, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Eh bien en fait, nous avons un problème et nous voudrions votre aide. Moi je kiffe à mort, Soussou. Il fait partie des meilleurs de la saga et il est remaquillé Switch. Avec quelques conforts, quelques quality of life d'ajouter. Donc voilà. Les musiques ont été remaquillées aussi, donc c'est parfait. Mais elles perdent pas de leur authenticité. Non, vraiment un petit bijou. Après, est-ce qu'il est sorti à la bonne période, à la bonne époque? Je sais pas s'il va marcher. Ça reste un peu niche, Paper Mario, hein, malgré ce qu'on peut penser. L'entrée du grand art est bloquée, nous ne pouvons plus y entrer. Bon, j'espère que ça va bien, Kimi, que tu te réveilles bien. Le week-end approche. Et à cause de ça, moi et Mario ne peut pas aller chercher la gemme étoile. Nous aimerions que vous veniez avec nous pour trouver l'entrée secrète. Et Augustin m'a mis un baquet Neko, voilà. Faut le savoir. Je sais plus à quelle heure. Donc on va dire qu'à 8h, c'est terminé, quoi. Et en plus, ouais, il joue un peu sur la nostalgie et tout ça, donc... Et l'humour des Paper Mario. Et la différence avec Mario RPG... Je sais pas. C'est pas Square qui l'a fait. Il y a toute une DA Paper qui est quand même, et un gameplay associé. Et sinon, c'est dans la même veine. Hein. C'est pour ça que j'ai pas pu te répondre la dernière fois quand t'as posé la question qui mis sur le Discord. Je peux pas choisir entre les deux. Pour moi, ils sont dans le même sac. Ils sont, voilà, c'est des jeux Mario. Oui, il est en 3D ISO. C'est pas la même. Là, on est en tout plat vu de côté, tu vois. C'est vrai. Mais sinon, dans le, je pense qu'Augustin, coucou Nico, ce que demandait Kimi, c'était dans l'ambiance en fait et le gameplay. Voilà, c'est ça. Ils ont tout en commun, mais ils sont différents, mais ils sont aussi bons. C'est une belle aventure. Mais tu l'avais pas, toi, Kimi, celui-là? T'as jamais sauté le pas? La DA, peut-être, t'a fait peur?
Je viens de démarrer. Non, ça fait une semaine qu'il est sorti, mon cher Nico. Et là, on est. J'ai joué un peu toute la semaine. Enfin, toute la semaine. J'ai joué le week-end dernier un peu en semaine dans les Cab Life. Donc, tu trouves les gameplays sur YouTube. Point d'exclamation YouTube. Et là, on continue mon aventure. Là, je suis à 6 heures de jeu. Donc, dès que Yuden a été terminé, je me suis remis sur Paper. D'ailleurs, Nico, comment avance ton aventure Paper? Yuden, pardon. Seulement, je ne peux pas sortir dans un état pareil. Pardon. Il vous est arrivé quelque chose? Je ne peux sortir de chez moi sans mettre mon collier favori, mais... J'ai dû le perdre lorsque je me suis promené un peu plus tôt. Je mourrais de honte si je me présentais devant des gens sans mon collier fétiche. Sans ce collier, ma beauté se fane et ma splendeur s'étiole. Il a l'air vraiment important, ce collier, hein? Collier... j'aurais pas déjà entendu une histoire de collier? Alors, Susukem, si tu insistes... Ah ben, ça fait un bail que t'as dû l'écrire, ce pavé. Je suis streamer depuis 6 mois. Ah oui, tu démarres. Ah ben justement, raison de plus pour t'encourager. La chaîne ici a un peu plus de 3 ans. Je suis passionné de jeux vidéo depuis toujours, encore plus maintenant à cause d'un problème de santé. Donc ça veut dire que tu as plus de temps pour jouer. J'ai dû arrêter le football freestyle. Ah oui! Tu jouais quoi en pro, semi-pro? C'était ce qui te faisait manger ou pas? J'aurais pu en vivre, d'accord, mais ça n'a pas pu se faire à cause de ça. Ok. Je suis stream du triple A, d'accord, du jeu indé, ok, comme ici, du jeu online, bref, du jeu d'hiver. Donc n'écoute pas les cons qui te diront qu'il faut pas s'éparpiller à faire du multigaming, c'est de la connerie. Hein. Sauf si les intentions sont peuvent être mauvaises, mais sinon... Ok, attends, j'essaie de te lire, voilà, tac, du jeu online, bref, des jeux variés, dans la douleur de plusieurs trials. Ok, j'ai la fâcheuse tendance de platiner mes jeux. Ah, ça c'est une maladie, effectivement. Déjà 17 en live et 67 en tout, désolé pour le... Non, t'inquiète, au moins là, c'était pro, ok. Bon bah c'est dur, hein, c'est dur. C'est dur, ça me fait penser, avant je faisais des interviews dans la musique, Soussou, toujours pour le plaisir, hein. Et j'avais rencontré Sefiu. Attendez, je vais enlever le Bakeneko, bien sûr, parce que c'est terminé. Et lui, bah lui, il a arrêté le foot à cause d'un problème de genou. Et du coup, il s'est mis à la ZIC et ça a pas trop mal marché pour lui, hein. J'aurais pas déjà entendu une histoire de collier. Je passe en lurk. Merci Kimi. Merci pour le lurk. Et à très très vite. Dans la ferme, certainement. Tu as vu que Sonia aussi a acheté le jeu? Elle a craqué. Pardon Sonia si tu nous regardes. Et Nico, j'en suis rendu aux premières étapes du château. Grosse semaine qui ne m'a pas laissé beaucoup de temps. Je comprends. Ça a été un peu le cas pour moi aussi. J'avance tout doucement l'intrigue. Slow run, tranquille, profite, parce qu'une fois que c'est fini, il te reste plus que le New Game Plus, quoi. Vous avez vu mon précieux collier? Si oui, je vous en prie, rapportez-le-moi, c'est très important. Si vous y arrivez, je me joindrai à vous et j'apporterai mon aide au mignon petit pugnot. Ne vous inquiétez pas, Dame Cumulia. Mario vous retrouvera votre collier en un clin d'œil. N'est-ce pas, Mario? Non. T'imagines? It's a go! Surtout que le sport, c'est fini. Je faisais tout. Je faisais de tout, d'accord. Tu connais Bix... oui, Vincente. J'allais dire Bixente. Lizarazu, eh bien, j'ai le même effet, sauf que lui peut en faire, d'accord. Ah, je sais pas ce qu'il a eu par contre, Lizarazu. Mais en tout cas. Ouais, c'est Fiu. Bah, pas que c'est Fiu, hein, mais. Si tu cherches dans les archives d'internet, tu trouveras peut-être encore des traces. Mais en fait, les serveurs avaient sauté. Donc, le plus gros de mon taf a disparu. Mais j'avais monté un site qui s'appelait Rap de Bombe à l'époque. Peut-être que t'as connu si t'écoutes un peu de hip-hop.
Donc j'ai fait pas mal d'interviews, de reportages. Si t'es un ancien, tu connais la Clica. J'ai passé une semaine avec eux pendant les répètes lors de leur reformation pour un festival à Lyon. Oxmo plusieurs fois. Les psychiatres avec Soprano depuis le début, depuis qu'ils ont 14 piges. 14-15 piges. Et puis tous les autres. Quoi. Je me suis même baladé. J'étais venu sur Paname plusieurs fois. Dans le ghetto, hein, chez les gars, pour des gars moins connus qu'on trouvait sur MySpace, pour faire des interviews, des freestyles, tout ça, avec la caméra. C'était cool. Hein. Bon, c'était une passion, hein, je faisais ça à côté du taf, mais ça me prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Puis quand ma fille est née, j'ai dû faire un choix quand même. Je savais très bien que j'allais pas vivre de ce truc-là, donc j'ai priorisé le taf. Ah oui, MySpace. Oui, sur MySpace, en fait, je chopais des gars à des petits groupes un peu de France et de Navarre. Hein, et je leur proposais de me déplacer dans leur coin. Et puis, on faisait une petite interview. Après, ils me faisaient un freestyle exclusif. Après, Henri Quint, j'ai vu M.O.P., j'ai vu Redman. C'est que j'ai vu Ezekia, si vous connaissez, un peu plus... J'ai eu aussi l'interview de Jérus Jamadja, mais alors ça, c'est vraiment pour les anciens, des anciens, des anciens. J'ai vu Papy aussi sur Paname. Ça faisait partie des tout premiers groupes hip-hop. Ouais, ben moi, dans les loges, j'ai Redman qui draguait la caméraman... C'était chaud à le gérer quand même. Et je me balais toujours avec une caméra girl pour faire mes interviews. Ah ouais, tu penses? Bah j'ai fait une des premières interviews de Caris à l'époque, quand il n'était rien. Maintenant j'aime moins, hein, mais bon à l'époque c'était plutôt cool. J'ai dû faire 2-3 interviews de cette gecko. Je suis allé à Bomb Attack. Dans les studios à l'époque justement où Soprano est passé du rap à la chanson. Faut savoir que c'est Ben de Bomb Attack qui l'a orienté dans cette voie là. Et donc sur l'album de Sopra, Puisqu'il faut vivre, je crois il y a quelques chansons qui commencent à être chantées en fait. Voilà, bah c'est de là qu'a démarré le virage en fait de Sopra. Et j'ai même fait chanter du Oxmo Puccino par La Fouine. Et ça, on peut le retrouver sur YouTube. Tu cherches La Fouine Oxmo Puccino. Et quand je lui ai demandé un freestyle en fait, parce qu'à chaque fin d'interview, je demandais un freestyle. Et ben le gars, comme il suivait, je pense qu'il s'était renseigné sur mon site avant de venir et qu'il a vu que j'étais quand même pas mal fan d'Oxmo, il m'a fait un freestyle de paroles d'Oxmo remodifié à la sauce La Fouine à l'époque. C'était plutôt drôle, sans que je lui demande rien en plus. C'était le petit clin d'œil à la fin. Enfin, pardon si vous écoutez pas de hip-hop. On a fait un petit aparté. Hey, c'est le moustachu tout à l'heure. Ah oui, ils ont enfin retrouvé leur avis de recherche. Parce qu'on s'est croisés avec eux, mais ils savaient pas que c'était nous qui cherchaient. Ah, mais le retour de La Fouine, là, il est un peu chelou, hein. Et puis, il met la max sur la promo. Je sais pas, faudra voir. Il fait un concert, là, bientôt. Et il essaye de faire un comeback, on faut voir. Ça fait 2 jeux qu'on fait d'affilée où l'expression « pas piquer des hannetons » ressort. Et je vous laisse deviner quel était l'autre jeu récent dans lequel on retrouvait cette expression.
Et du coup, il a quel âge de Susukem? Parce qu'il a l'air quand même... pas boomer, mais presque, non? Pas un jeu de farm, Augustin. Un RPG. Le colis que tu as trouvé, je pensais te le rendre, mais vraiment non, pas question. Bouh! Tant pis, réfléchissons à un moyen de trouver Mario. Ok, donc nous on cherche un collier. Hein. À la lisière des bois. Bon, allez. Ça sera certainement pas ici. Est-ce qu'on a poussé par là? Non, il y avait un vol de pignon. Il n'y a rien dans l'arbre? Non. Le gars qui en veut toujours plus. Hey Youden Chronicles? Oui, mais à quel moment, Augustin? Je t'aide, c'est un moment récurrent. Pas piquer des hannetons dans Youden, ça parle à personne. Le château, ouais, mais sois plus précis. Il y a plein de choses à faire au château, tu le sais. Un petit morceau d'étoile, hein, je vous fais la soluce en même temps. Pour ceux qui regardent les VOD. La cuisine, ouais, ouais. La cuisine, ouais. C'est en fait, c'est le à chaque fois que tu fais un duel de cuisine, le chef dit, je vais te faire goûter à ma cuisine, pas piquer des hannetons. Et en général, le chef que tu affrontes à chaque fois, il a son expression bien à lui par rapport à son style. Si on accroche à l'univers de Thierry, c'est que l'on est boomer en général. Ah, c'est pas con ce sou. Ah, de 85. Oh, ça va. Encore un petit jauneau. La casquette, Bibi. Comment il va, le Bibi? Multi-rebond, ça va pas le faire. Oh, ah oui, un os fit X. Ah. Tiens, enfoiré. Alors, on va faire... super rebond. Pourquoi pas. 3 PF, allez. Faut pas le foirer. Plus près des 40 que des 30. Ouais, mais ça va, ça va, ça va. T'es encore dans... la fleur de l'âge. Ça marche pas les carapaces sur sur Bouli. Mais sur le nuage, oui. Allez, on va tenter les contres. Ah oui. Un petit marteau, allez. J'ai acheté cigarette électro. Et ce n'est pas un jeu, bijou, pour une fois. Ah, ça y est, tu fumes et t'es passé à la vape? T'as pris quoi comme modèle? T'as pris une vraie de vraie avec réservoir et tout? Ou t'as pris les trucs à... les trucs qui valent un paquet de clopes et qui durent une journée? Augustin, je dirais pas ça, mais tu as des anciens goûts. Ah, Augustin, c'est le plus ancien des anciens, en fait. Je file, je vais emmener les jumeaux. Ah, t'as des jumeaux, force à toi. J'ai des neveux-nièces jumeaux aussi, je les appelle les doubles dragons. On peut pas rester en leurre, qu'une soirée avec plaisir. Ben, quand tu veux, Soussou, un plaisir de t'avoir découvert. Et puis, on se retrouve chez Terry, j'imagine. Peut-être entre midi et deux, là, s'il stream, on lui fera un petit raid. Et bon courage, c'est le dernier Mario sur Switch. Bijou, mais sinon c'est un ancien jeu. Et t'es remake. Ils ont 4 ans. Ah ouais. Ouais, double dragon parce qu'ils sont nés l'année du dragon. Ce sont des dragons comme moi. D'un point de vue astrologie chinoise, bien sûr. T'avais déjà eu des cigarettes électro, Bijou? Du coup, tu l'as changé là? Ah, fleur de feu, j'aime bien ça.
Alors vous inquiétez pas parce que je pense à Augustin qui a super bien géré l'accueil de Soussou. Merci Augustin. D'habitude c'est Rayleigh qui fait ça aussi. Vous inquiétez pas. Hein. Rayleigh il bosse à fond son concours là. Et on va bientôt le revoir. Mais là il est au taquet, il est en plein dedans. Donc on lui donne de la force. Par la pensée. Allez, on va essayer de choper des trucs. Ah, coup de séisme, jamais essayé, je crois. Ah si, j'ai essayé une fois. Non, on va se le garder. Ah, quoi que là, on est pas mal. Hein. Non, on va le finir, je pense. Zéro, le marteau. Alors, on va essayer Volt Pignon. Ah, non. Écrifie est membre d'un groupe. Ouais. J'avoue, je sais pas comment trop le finir, lui, à part avec des objets. C'est un peu relou. Hein. Ça, ça lui fait rien du tout. À part avec des contres. Et si je lui saute dessus, je me fais mal, j'imagine. Le marteau, ça marche pas bien. Et la carapace non plus. Est-ce qu'il faut pécho équiper un badge? Ça m'emmerde d'utiliser un objet à chaque fois que je vais tomber sur un ennemi comme ça quand même. Je vais... Ouais. Ouais, faut les avoir au contre, quoi. On n'en est pas encore là, Augustin. Bah oui, j'ai kiffé, ouais. Mais là, on est qu'au chapitre 2. Hein. C'est après, oui, c'est après. Bien après. Ouh là là, il commence à me pomper l'air, celui-là. Le collier... Je pense qu'il va falloir qu'on retombe sur boulis de l'espace, les boulis, les trois boulis de l'espace, lisière de la forêt. Non, là c'est juste vraiment le chapitre 2, donc ah, ça fait mal les fleurs quand tu sautes dessus, hein. Un classique. Je regarde les badges que j'ai aussi. Ah. La petite carapace, totale carapace bien sûr. Un petit strike. Ah, trop, pas assez vif pour le contre. Et je m'entraîne sur les fleurs. Non, ça a foiré. C'est pas grave, on va faire une petite étoile. Hein. Ah mince, j'ai chopé le vert. Le champignon vert. Une petite technique maintenant. Au début, je galérais. Ouais, j'adore ce jeu, Bijou. J'adore. Mon problème, Bijou, c'est que dans 14 jours, les amis, il y a deux jeux de rôle qui sortent. Monster Hunter Stories, le premier. Alors, vous allez me dire, c'est un remake. Mais il y a un autre truc qui sort aussi, qui est aussi pas un remake, mais un jeu qui ressort avec un add-on, qui est le Shin Megami Tensei. Plus d'autres trucs qui arrivent en parallèle en sous-marin dont je pourrais vous parler qu'à certaines périodes mais qu'il faut que je prépare. Du coup, bah un peu chaud là de finir ce jeu en 15 jours. Faisable, hein, faisable. Mais j'ai pas envie de le speedrunner non plus.
Donc voilà, je suis un peu dans la galère des Day One, hein, vous savez. J'ai dit quoi? Shinji Miken... Non, Shin Megami Tensei. Vengeance. J'ai dit quoi, Augustin? J'étais en pilote automatique. Il y a eu un grand boom dehors. Excusez-moi, je vais regarder. Ah oui, et puis j'ai vu un rat courir le long de mon portail là. Et aller dans le jardin en friche, là, ça m'inquiète. J'ai vu ça ce matin. Je sais pas comment gérer ce truc là. Il va falloir que je me renseigne sur les rats et tout ça quoi. Hey Rayli, on parlait de toi. Fayou toi-même. Tout multibon, c'est parti. Ah mais non, mais je suis bête, pourquoi je saute sur les fleurs? Ah, c'est comme c'est... Oui, mais si, des fois, c'est... Par exemple, tu vois, Augustin, quand Rayli débarque sur un chat, et que je fais des raids et tout, les gens disent « Ah, salut, Rayli !» Et je vois pas où est le T, en fait, hein, faudra qu'on m'explique. Faudra qu'on m'explique où est le T dans Rayli. Mais je l'ai vu sur plusieurs raids de streamers différents. Mais il y a des défauts comme ça de langage. Soit un mot qui en rappelle un autre. Ah, ma douce voix. Comme c'est gentil, Rayli. Moi et Sigma, on dit Shinji Mikami. Terry, souvent, ouais, c'est vrai, Terry. On avait Susukem, d'ailleurs, qui est un pote de Terry avant que t'arrives, Rayli. Ah, j'ai foiré. Ah, c'est cool, on va pouvoir se vider les poches un peu. Alors, se vider les poches, tac. On va prendre du sirop de miel, bien sûr. Ah, mais il y a peut-être une case qui nous rend tout un peu plus loin. Bon, c'est pas grave. Non, pas eux. Ah, voilà, c'est ça que je voulais, les amis. Hop là, 8h21, on va aller faire un petit tour dans l'e-shop. Donc là, j'ai sauvegardé, on est d'accord. Demain, Ayuden a gagné sur le podcast, voire deux. Ah ouais, c'est vrai que demain, on est le premier samedi du mois. Et tous les premiers samedis du mois sur la chaîne de Just4GameFR, qu'on suit grâce à Terry. Et ben, il y a des tirages au sort dans le chat à la fin du podcast pour gagner des jeux. Des jeux en physique, hein, vu que c'est un éditeur de jeux physiques, donc c'est vraiment cool là. Avec Davy Mourier en interview. Peux-tu me rappeler qui est Davy Mourier? Parce que je suis pas du tout Star System, Augustin. Pardon pour Davy. Apparemment, il est plutôt connu dans le milieu. Journal. D'accord, No Life, ok. Ils sont très à l'affiche, No Life. Hein. J'ai vu que Origami a fait un... On fait un 101%. J'ai pas bien compris si c'était une parodie, un hommage, ou est-ce qu'ils reprennent le concept. Allez, on quitte. À midi, on se fait ça, les gars. Doug's Nightmare. Un genre de vampire survivor, mais avec des bananes. Mais là, pour l'heure, on va dans l'e-shop. Vous inquiétez pas, rien de confidentiel sur cette page Switch. Alors, dans les sentiers récentes, c'est pas très glorieux. Hein.
voyez un petit peu le genre de jeu qu'on a en ce moment. Ça, il faut voir ce que c'est. 2 balles en promo dès la sortie. C'est qui tout double, hein. Et c'est pas 505 games qui le sort, c'est 404 games, attention. Donc ça, c'est déjà sorti. Bah tant pis, il regardera la rediff. Les mecs ont même pas fait d'effort sur leur vidéo de teasing, hein. La qualité de la vidéo est dégueulasse. Donc c'est un mix de gameplay, de footage, hein, de cinématique. Faut voir, on dirait qu'il y a une petite ambiance. Ouais, en plus c'est des faux hentai, really, hein. C'est des non hentai, mais c'est vraiment pour du putaclic, hein, soyons clairs. Sans mauvais jeu de mots. Ouais, hentai dating story Brésil, attention, hein. Donc là, c'est pour ceux qui ont une appétence pour le Brésil. Hey, Santori Uji, on se fait un petit tour de d'e-shop là avant de se dire au revoir. Alors celui-ci, connu des gens qui connaissent, hein, du Eastasia Soft. Faudrait que je leur gratte la clé. Ah oui, t'entends une taille, tu pop, évidemment. J'ai pas osé le dire. 13 ans前, et Louis qui rate la VO chinoise, quoi. Donc ça sort sur Switch, les amis, hein. C'est sorti, d'ailleurs. On rappelle que les sorties, c'est le jeudi en général sur l'eShop. Hors gros titre, gros éditeur. Donc ça, ça a dû sortir hier. Hein. Ah, est-ce qu'il émerge? Parce que s'il émerge dans le café à la limite. Quoi? Seb Burn. Seb B au carré. Comment il va le Seb Burnett? On regarde un petit peu des vidéos de l'eShop, des jeux qui sont sortis et qui vont sortir aussi, on va regarder. Y'a des gens qui s'attendent ça sur Switch? Des Soul Liker. Aucun café, il est chaud, il manque plus que le Red Bull et il est bon. Pardon. La boisson énergisante. Voilà, Eastasia Soft avec qui on marche pas mal, hein. Mais j'ai pas encore eu, j'ai pas vu la proposition de cette clé. En parlant de clé, Master Key aussi. Il ressemble à d'autres trucs, hein. Est-ce qu'il surfe sur une vague ou est-ce que c'est vraiment sympa? Je ne sais pas. Ça avait l'air bien quand même. Ça, c'est pour August. Nous récupérer l'OST, sûr de sûr. Ça vous rappelle rien. Ah, Youth Club Game. Eux aussi, c'est pareil. Eux, c'est un jeu sur deux qui m'envoie. Les gars qui ont fait Shovel. Zelda of Past, ouais.
Ouais. Même Zelda, tout court. Hein. Un ersatz en noir et blanc. Un ersatz qui parodie d'autres jeux aussi, apparemment. Enfin, qui parodie, qui ersatz ou qui plagie ou qui rend hommage. Game Boy 8 bits avec le son qui va bien. Tout à fait, Nico, qui est toujours là. Je sélectionne, bien sûr. Hein, je vais en reçoire. Alors ça, j'ai fait la démo, les amis. Ça, c'est énorme. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ma VOD. J'avais fait la démo il y a un mois. Ça, c'est top. Hein. Je vous conseille. Dommage, il n'y a pas de vidéo. Mais bon, point d'exclamation YouTube. C'est en français. Hein. Et c'est vraiment très bon. Puis il y a la démo. Donc je vous conseille de tester Ninja Kamui Shinobi Origin. Alors ça, ça a l'air lourd, les amis. 17 balles. Allez, il y a la vidéo. Et merci, Riley, pour le YouTube. Attention, là, ça... C'est dû à du Swim Max en plus. Ça, ça avait parlé aux fans de la Mega Drive, ça. Ça fait cheap, je suis d'accord. Est-ce que ça fait plus cheap que le dernier contrat là qu'on a eu sur Switch? C'est ça la question qu'il faut se poser. Après, si c'est nerveux, ça peut être sympa. Plusieurs phases de gameplay avec la moto viseur. Il te dérange moins que le dernier contrat. Le dernier contrat te dérange moins. Il y a quand même des phases, hein. Des petits hommages, tout ça. Je sais pas. Après, c'est du vu et revu. Ouais, ouais, totalement Shinobi, ouais. Mais bon, on sait de quel Shinobi on parle. Et puis il y a une petite story façon BD. Il me rappelle le jeu de baston, la Mayhem. On avait testé il y a un bail. Ninja Kamui, est-ce que c'est un dessin animé qui passe quelque part? J'allais dire sur le câble, mais bon, plutôt sur le satellite. Sugoi Girl, bon bah ça, c'est vraiment pour la blague, hein, mais c'est apparemment du puzzle avec des jolies filles, voilà, aux formes généreuses. Voilà, les jeux Switch qu'on voit pas mal paumer. Alors ça m'a fait délire aussi. On n'est pas sur du Gran Turismo, on est sur du Gran Carismo. Alors le petit jeu de mots, tout ça, ça a l'air bien bien cheap aussi. Hein. SP Game, inconnu au bataillon. Est-ce qu'ils ont... Ils ont même pas osé mettre une vidéo, vous voyez. Voilà, voilà. Mais bon, quand on aime les jeux de voiture, c'est qu'on est en... qu'on n'a pas sa dose, ça peut être pas mal. Medieval Lords, les amis, Medieval Lords. Sûrement un jeu ici du PC. Les Catanes, encore et toujours, mais la collection. Bon, ça, c'est ce qui est sorti récemment. Pick to the plan. Ah, il y a une petite DA là sur l'affiche. On va voir ce que ça donne, mais... Ah. Ah. Voilà, c'est du Unreal. On va aller voir les bientôt sortis. Il y a aussi le Potion Permit. Alors, pourquoi complète édition? Parce que Potion Permit, on avait été partenaire sur le jeu quand il est sorti. Mais qu'est-ce que comprend la collection? Ah ouais, alors est-ce qu'il y avait eu des DLC, je sais pas. C'est bizarre ça. Il y a pas mal de trucs, 30 décorations supplémentaires. On n'aurait pas dans le jeu de base là. Je pense qu'on doit pouvoir l'avoir gratuitement quand on a déjà le jeu. Hein.
Et bientôt disponible. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Super Dungeon Maker. Là aussi, il y a un petit air de... DIY Edition, attention. Ok, tu fais des petits donjons, tout ça. Tu plaides des interrupteurs, c'est super. Des pièges. Ouais, une sorte d'RPG Maker, mais en donjon. Effectivement. Oh, je passe, on se regarde pas toutes les vidéos, sinon on est là, je vais pas aller bosser, quoi. Skeller Boy, je le vois popper à droite à gauche aussi, je sais pas ce que ça vaut. Une esthétique riche en nostalgie, tout droit sorti des classiques 70-80. Rally Tie Game, ouais c'est ça. Ouais, faut voir. Ah, ils traduisent leur jeu parfois, il y a une démo. Je l'avais prise mais je l'ai pas testée. Ouais, anglais, espagnol, ouais, merci, au revoir, bisous. Bosse pas, reste avec nous, Kabou. Ovoid, console édition. Ovoid, alors console édition, ça veut dire que c'est connu sur PC? Jeu de musique? Chiptune, pas chiptune? Ouais. Ah d'accord, ah ouais, j'aime bien ça. Ah ouais. Ah ouais, ça me tente bien ça. C'est mes petits jeux ça. Ah ouais, avec le contraste noir et blanc, la feinte. Ouais, je sais qu'on est bien, Rémi. On reste un peu plus, hein, tu remarqueras. Il est 8h35. Ça, je sais pas. Non, ça me dit rien. Alors ça, ça a l'air d'être tout un programme. Hein, quand on voit la miniature. Mesmelatou. Jacob Jazz. Et Bijou qui fait un petit level up niveau 50, ça se fête, hein, chiffre rond. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Un jeu de plateforme roguelite de l'année. Ah bon? Ah bon? 2024 en plus, hein, les gars, ils se la pètent pas du tout. Hein. Malcolm Middle, vous avez vu le t-shirt? Vous savez ce que c'est Malcolm Middle, hein, c'est le nom anglais de la série Malcolm in the Middle, la série Malcolm en fait. Hein. Il y a l'effet CRT, si vous voyez. Il y a une ambiance japonaise. Je sais pas. Là, d'un coup, ça fait bizarre. Pas de vidéo. Donc, on ne sait pas ce que peut donner l'animation. Et 8 balles. C'est chez qui? Phantom Publishing? Je connais pas. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ça vaut peut-être le coup de leur passer un petit coup de fil. Là. L'arnaque de l'année, ouais. Ils ont fait que ça. Bon, écoutez, si vous voulez qu'on se marre, je peux demander la clé. Et puis si, Inch'Allah, ils disent oui, eh ben tant mieux, quoi. Le roguelike de l'année. Ah, les jeux de train. Il y a des fans de train, les amis. Il y en a beaucoup. Hein. Urban Flow, bon, on connaît un peu ces petits jeux-là. Oula, 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 oula. Golf Guy, ça, c'est pour notre ami. Ça peut être sympa, hein. Ça rappelle des vieux petits jeux de golf. Ça, en plus, à plusieurs, tout ça. Des genres de golf, mini-golf. Il y a des gars de l'espace et tout en plus. Donc à mon avis... Voilà, c'est ambiance mi, hein, mais cheap. Ouais, c'est pas mal ça, plusieurs. Un bon canapé, quelques boissons fraîches, 2-3 copains, copines. Et puis le jeu de golf, quoi. Il y a un petit côté jeu mobile quand même. J'ai toujours bien aimé ces petits jeux là. Lunar Ball par exemple, des trucs comme ça. Ok, à Trash Punk, ça je sais pas. Là quand on voit ça, puis après on se dit ah peut-être quand même. C'est du Stasia ça d'ailleurs ou ça me rappelle d'autres jeux du genre.
Ah non, Baltoro Game, les amis, vous savez ce qu'ils ont fait, Baltoro Game? Vous le savez ou pas? Ils ont fait ces trucs-là, les amis. Je suis sûr que beaucoup, beaucoup d'entre vous n'en ont pas touché un seul. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça en sponsor Pixel Café. C'est plutôt sympa. Pour ça que le nom me parlait, je pense. Ouais, ils font pas mal de trucs Tycoon, hein. Ouais, c'est des gars du mobile, ça, c'est sûr et certain. Je sais pas ce que ça vaut. Trash Punk. Ok, d'accord. Ah, c'est peut-être le rat qu'il y a dans mon jardin, ça. D'ailleurs, je me dis qu'il y en a un, il n'y en a pas qu'un. Hein. Enfin, je m'occupe de ce bordel, là. Ah non, c'est les opossums, pardon. Pardon pour la communauté des opossums. Ok, on a déjà vu ça un peu avec une sorcière, avec d'autres types de persos. Bon, faut voir. Il y a un public en tout cas. On va se passer les Bakery Empire, les sculptes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Cubic Game, les amis. Famous Edition en plus. Donc tu sculptes des visages de gens connus, c'est ça? Hop, t'es là, tu prends ton argile. Hop, tac tac, bing bing. Tu lui mets un corps. Ouais. Tu refais les gars de... Voilà. Ah, t'as un modèle derrière quand même. Hein. Ah oui, j'avoue, Rélie... Non mais franchement ça me fait chier parce que déjà j'ai la fibre en câble apparent qui sort de terre et qui repart dans une goulotte et je l'ai vu partir de là donc j'espère qu'il va pas me grignoter la fibre. Et puis en dessous j'ai la cave avec des vasistas ouverts et s'ils passent par là quand il fait froid pour aller se réchauffer les rats, bah, j'ai des rats dans la baraque quoi. Et ça c'est la pire des emmerdes j'imagine. Et mon jardin est en friche, donc ils ont de quoi se planquer tranquille, quoi. Mars, pour ceux qui aiment les jeux un peu comme Rayleigh, là, de l'espace, où on craft et tout ça. Ça te rappelle rien, ce truc-là, Mars Colonisation? Mon petit Rayleigh? Ça rappelle pas ton petit jeu Planète, là? Bizarre, ça. Bah, si tu veux venir tondre sur Paname, hein, si tu veux te faire une expérience hors du commun, tu peux venir avec ta tondeuse. Bah, il doit y avoir 6 mètres sur 3, hein, c'est pas énorme. C'est pas un vrai jardin. Ça a l'air mou, hein, ça a l'air mou sur PC. Peut-être plus sympa, mais là... Ça me rappelle le jeu que j'ai fait hier, là, si vous regardez sur YouTube, j'ai fait un Power Wash like, là, c'était chaud. Ah, le Rune Factory, oui, voilà, on parle de vrai jeu, là, Santo. Rune Factory 6 ou Dragon? Est-ce que c'est le 6, en fait? Est-ce qu'il est renommé ou est-ce que c'est une autre branche? Ouais, il y a eu le Marvelous hier, Showcase. Ils ont montré pas mal de trucs qu'ils avaient déjà montré. Allez, pour les fans de Star Wars. Il y a le 6 plus Dragon, ok. J'ai pas encore regardé la conf. Et le 6 se déroule à l'air. En tout cas, c'est du Rune Factory, donc ça va être la classe. On est sur Switch, les amis. Hein. What a show we've got for you tonight. But first, let's revisit the final moments of last night's match. We saw the Gundarks versus Mudhorn in an epic game of control. Ouais, c'est du footage. Hein. Was really looking to settle our score with that. Slingshot the last and snake. Oh, that must have hurt.
Non, non, c'est pas Star Wars Playmobil, je vous rassure. Ça me parle plus, hein. Moi, je suis de la génération des, allez, des trois premiers plus les trois premiers. Après, j'ai décroché. Ça me parle plus du tout, là, le... Un peu plus, là, mais bon. Ok, pré-download now. Lucasfilm dans la boucle. Downward Hensed, ok. Ah, ça, les amis. J'ai fait une autre version de ce jeu, là, sur YouTube. On a vraiment l'impression de... Si c'est ce que je pense... C'est assez impressionnant parce qu'en fait on conduit des métros, des RER coréens, mais en fait ce qui est diffusé c'est des vidéos en fait. On a vraiment l'impression, on s'y croit quoi. Tout ce qu'on fait c'est accélérer, freiner, mais c'est le même jeu en fait. Bizarre. Non, c'était pas une preview que j'avais fait. Il y a même des petits effets de lumière. Ah non, là c'est vraiment une autre version là. Voilà, et donc en fait on conduit sur rail et c'est des vidéos qui sont diffusées. Quand tu accélères, tu freines tout ça, ça accélère, ça freine, c'est pas mal. Il faut freiner au bon endroit pour faire descendre tout le monde bien sûr. Bah, vous le retrouvez sur YouTube en tout cas. Il y a un petit party game des Schtroumpfs, il y a Ghostin aussi. Pareil, ça rappelle le jeu de tout à l'heure. Donc ça, c'est début juin. J'avance un peu. Ah, voilà. Il est toujours là, Augustin? Ça va te rappeler quelque chose, ça. Et c'est le même dev. Hein. Regardez-moi ce petit bijou. Et il va être en français, en plus. Voilà, il a tout compris, Augustin. Et oui, Augustin, quand on fait du e-shop, on rend toujours hommage à ceux qu'on connaît. Donc il a repris du service hein, pour nous pondre ceci. Écoute-moi ce son, Augustin. Avec Eric Truffaz à la trompette. Non, je déconne. J'espère que tu parles pas de Cowboy Bebop sur Netflix, Augustin. Donc ça va être une petite perle de la Switch qui arrive bientôt. Hein. Ne vous fiez pas à la miniature. C'est tout ce que j'ai à dire. 20 balles quand même. Hein. Alors les Aeri, je comprends rien. Il y en a 10 000, c'est toujours la même chose. Voilà, je voulais le dire. Zombie Derby. Ah ouais. Ah ouais. Ah, il faut voir s'il y a de la vidéo là. Je vais voir comment c'est animé. Donc ça, c'est le 11 juin. Non, le 6 juin, pardon. Ouh là 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 là. Ça, pour la blague, ça peut être sympa aussi. Alors, t'équipes ton petit camion, ta bagnole, tout ça, hein, pour que ça... Et puis go, hein. Ah ouais, le bonus là, 360. Eh ben, il faut que tu regardes, Augustin. Hein. Il faut que tu regardes les Cowboy Bebop, ceux de l'époque. Si t'as le temps. Ah bah, c'était court, mais efficace. Hein. High Score Anomaly Underground. Je me demande si c'est pas le même truc que dans le métro, là.
Pareil, sur YouTube, vous retrouvez ma vidéo. Oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord, non. Ah oui, ceux de Netflix, non, on les regarde pas, ceux de Netflix. Ah, les autres, tu les connais, on est d'accord alors. Regardez comme c'est bien old school là. Ah oui, bon, bah ça va alors. Pardon, Augustin. La petite zic. Le mode 7 de la Switch. Ah ouais, c'est gros RZ de Mario Kart le premier, ça c'est sûr. C'est pour Data, dirait-il. Ok. Celle-là, elle est pour Data Reaper. Si tu es en lurk, on pense à toi. Ok, alors, toujours à Talaika Games. Airhead. Il y a un petit truc sur la miniature, mais. Un jeu de sel. Pour Rayleigh et Data. Ça fonctionne plus. Voilà. Il a sauté. J'ai peut-être fait sauter au bénéfice d'un autre truc. Là, il n'y a rien, si, quand même. Airhead. Un petit peu Rayleigh au réveil, ça, Airhead. Donc t'es là, t'es avec ton perso et t'as un gameplay tête, j'ai l'impression. Il est bon, hein? Ou un long délai, je pense pas. Ah ouais, un sacré long délai. Hein. Aïe 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 aïe. Il est bon, hein? Alors tu l'as rejoué, bien vu. Je pensais qu'il y aurait un gameplay tête, mais non. Ah, c'est bizarre là d'un coup la 3D comme ça. Rayleigh, on me posait la question tout à l'heure. J'ai vu que mon pote de Montpellier là. Lui il serait plutôt dispo fin du mois, donc on viendrait le dernier week-end de juin. Est-ce que ça va toujours pour toi? À discuter hors live, bien sûr. Mais ça se profilerait pour le week-end du 29, un truc comme ça. 28-29. Sachant que moi je vais être dans le dur parce que à partir de là, je suis en backup au taf. Donc après, je vais attaquer 2 semaines chaudes. Donc ce sera peut-être le temps de se détendre avant d'attaquer. Attaquer la petite galère au taf et après ça sera les vacances pour moi. Ça a l'air pipou, hein. Ça me rappelle Cozy Grove. C'est en français. Armor Game Studio, ça me parle. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Autre petits éditeurs. Beer and Breakfast, il était cool. Islet aussi. Ouais. Lumberjack était cool. Ah, il y a un petit flou là. Il y a un petit flou pour ce jeu. Il est en français, on a dit. Hein. Une petite vidéo ou pas, non? Regardez, ça a l'air cool. Et alors, c'est quoi? Créer un refuge pour grenouilles et restaurer la biodiversité des marais. Le truc vraiment pisse, quoi. Ah, du coup, t'es occupé le week-end, Rayleigh? Après, on s'adapte, hein. Moi, je dis à mon pote qu'il s'adapte. Le truc, c'est qu'il a des jeux de rôle de prévu et tout ça, mais il y a moyen de des jeux de rôle sur table, il y a moyen qu'il décale aussi. C'était aussi pour qu'il paye son billet moins cher, mais bon, à voir. Bon, là, on a du Counterforce, ok. Alors, qu'est-ce qui arrive de vraiment intéressant? On va descendre un petit peu. C'est à partir du 14 juin, en fait. Hein. 14 juin qui va être un vendredi, je pense. Voilà. Ça, c'est pour Louis aussi, Augustin. Hein.
Voilà ce qui va nous mettre dans la sauce fin du mois. Milieu du mois, pardon. Voilà, il ressort le Shin Megami Tensei 5, mais avec la Dawn Vengeance. Un vendredi, voilà. Donc autant dire que ce vendredi-là, il n'y aura pas de Geekend. Hein. Parce qu'on a ça qui sort donc. Bizarre qu'ils aient pas mis de vidéo quand même. Bon, il y a toujours le pack pour que ce soit plus easy. Évidemment. Je l'attends de fou. Ouais, moi aussi, Santo. Mais le problème, c'est qu'il y a un autre truc qui arrive aussi. C'est ça. C'est ça. Ah, t'avais pas accroché, Nico ? C'est dommage. Après, c'est une ambiance. Hein. Et puis, il y a celui-là, voilà. Ouais, déjà fait, je suis d'accord, mais SMT aussi. Et puis, il a pas l'air trop dégueulasse sur Switch, faut voir. Entièrement doublé, Santo. Je veux pas t'influencer, hein. En général, je suis pas trop RPG Capcom, hein. Doublé en langage MH, eh oui. Non, ça te rappelle pas des souvenirs? Ah, voilà, il est bien pas simple, par contre, bah oui. À l'époque, on blaguait pas. Hein. Donc voilà, ça peut donner l'occasion à ceux qui n'ont pas fini le 2 ou qui n'ont pas, qui s'y étaient pas mis d'enchaîner, quoi. Le 2, il est sorti quoi, il y a 3-4 ans sur Switch? Le temps passe vite. Hein. Ok. Encore le 2 à faire, voilà, c'est ce que je disais. Donc il y a ça qui sort le même jour, ça, c'est un peu relou. Des petits jeux, toujours des petits jeux entre guillemets hentai style. Ça, ça avait l'air pas mal aussi. Ça avait l'air pas mal. Pareil pour toi, Nico, t'as le 2 à faire aussi? Il y a une petite DA là. Il y a une petite DA par contre, voilà, pas de français pour ceux que ça dérange. On m'a chauffé là-dessus, là. J'ai reçu des mails hier. Peut-être qu'on se le testera. Apparemment, il a eu son petit succès sur d'autres plateformes. On verra si ça le fait. Ouais, la moitié du jeu, il y a 80 heures apparemment, Santo. Hein. C'est lequel qui avait l'air bien, Riley ? Donc voilà, on va peut-être se chauffer là-dessus à un moment donné. Dicefall que j'ai déjà fait le gameplay sur PC, si vous le retrouvez sur YouTube. C'est sympa, ça change un peu. Ça j'ai pas essayé, il y a une démo apparemment, Time Galaxy. Voilà, et après voilà, on retombe un peu dans le lambda, et puis il y aura Monkey Ball qui sort, et Luigi Mansion fin du mois. Donc bon... Faire le SMT en 15 jours plus le MH Story et après voir débarquer Luigi Mansion 2, compliqué. Après vous allez me dire, voilà, c'est que des jeux qu'on connaît déjà, c'est vrai. On a envie de les refaire avec plaisir, un peu comme le Paper Mario. Radiant Tail, bon, il n'est pas en français malheureusement. Il y a Chia qui arrive sur Switch. Ah, ça va être la boost du siècle. Je sais pas si vous avez déjà vu tourner le Koh-Lanta sur Switch, mais ça doit être à mon avis du même acabit. Voilà, c'est pour un certain public, on va dire. Hein. Mais même au-delà d'être moche, c'est nul à jouer. J'ai posé les mains dessus et ça m'a fait mal. Magnus Trilogy.
Ça a l'air obscur. Planétarian. En français, pas en français. Ah oui, celui d'avant, mais en anglais, ouais, bah ouais. Français pour Planétarian. Bon, c'est du gros visual novel, hein, pour ceux qui connaissent pas. Dans le sens où ça gros, ça blablate quasiment tout le temps. Ah, Santo, ça aussi, normalement, on devrait l'avoir en exclu. Ça, c'est plutôt début juillet, mais c'est pareil, hein, ça va falloir enchaîner, là. En anglais, mon petit Rayleigh, désolé pour toi. Mais ça, pour les fans de Trails, c'est de la balle atomique, hein, je vous le dis direct. Ah, ça n'a peut-être pas l'air comme ça, il n'y a pas la musique, il n'y a pas l'animation, mais c'est du lourd. Du très lourd. Voilà, il y a différentes éditions. Ah, un petit beach volley. Mais bon, c'est dommage, hein, ça va être... Je pense que ça a l'air un peu bâclé. Mais c'est un peu rare, les jeux de beach volley sur Switch. Voilà, c'est pour Six, dédicace à Six. C'était cool celui que t'avais en live. Lequel, Augustin? Ah, ça j'attends aussi, hein. Pardon. Ça j'attends avec impatience. C'est vrai que la cartouche est ultra rare. J'ai prolongé un peu le stream parce qu'on n'a pas fait de vrai live avec le micro et tout depuis une semaine. Donc j'avais envie quand même qu'on passe un peu de temps ensemble. Je vous remets parce que c'était court. Hein. Donc voilà, c'est des petits morceaux de jeu chronométrés qui s'enchaînent et vous devez... Et ça peut se jouer jusqu'à 5 joueurs. Voilà, très court. Hein. Très modeste pour le coup. Ça, je crois que c'est sympa, mais c'est en anglais. Alors, 4 Quest 3... Il y a la démo qui tourne déjà sur mon YouTube. Ça dure à peu près 25 minutes. Et restez à l'affût parce que je l'ai teasé tout à l'heure. On va se faire un gros truc là-dessus. Une grosse phase 4 Quest 3 bien en avance. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Steam World, il y a du public pour ça aussi. J'ai jamais trop touché les Steam. Et là, on est déjà en septembre, les amis. Anton Blast, un genre de Wario. J'ai fait la démo sur YouTube aussi. Vous pouvez soit télécharger la démo sur Switch, soit regarder ma vidéo. C'est assez nerveux. Attention les oreilles. Ah, il n'y a pas la vidéo. Bah, YouTube, les amis. Hein. YouTube, bien sûr. Ah, Stories from Sol. Intéressant. Qui fait ça? Tu préfères Pizza Tower, ok. Astrolab. Ah ah. Il y a un petit flou, hein. Ah, s'il n'est pas en français, la rage. Et je pense qu'il n'est pas en français. Grave, hein. Ok. Bon bah ça sera février 2025, pardon. Vous savez donc qu'il y aura encore de la Switch 1 jusqu'en février 2025 au moins. Bon ça on a déjà entendu parler puis on voit pas grand chose, on sait pas grand chose.
beaucoup d'hypothèses. Et ça, c'est les démos à venir. Ça, pareil, j'ai fait une vidéo YouTube, c'est impressionnant. Là, ce que vous allez voir, en fait, c'est ce qu'on joue. On évolue, voilà, dans un Ghibli-like. Un peu vide, hein, parce que c'est post-apo. Mais quand même, hein. C'est assez fou, hein. Je vous invite à aller voir la VOD que j'avais fait, c'est dans les avant-premières. Ou de télécharger la démo, tout simplement, hein. Voilà, on a fait un gros tour de l'eShop, les amis. J'espère que vous avez kiffé. Et avant ça, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, on était sur Paper Mario. À midi et demi, Pétante, Doug's Nightmare, un Vampire Survivor-like avec des bananes. Tout simplement. Il va falloir que j'aille bosser, hein. C'est 9h04, les amis. On est un petit peu déconné. C'est tellement rare. Merci Santo, merci. On va passer sur le syndrome Kabuki, je regarde chez qui on raid. Et puis après, on se retrouve à midi et demi, si je ne me suis pas fait virer entre-temps. Lol. Passez une bonne matinée, merci d'avoir été là, d'avoir papoté, ça fait plaisir. Merci au lurker. Et puis rendez-vous donc à 12h30, et puis après dans la soirée, dans le week-end, la nuit, tout ça, il y aura les Cab Life. Merci Rélie, force à toi aussi pour le concours. Hein. On te dit un gros 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 caca. Et puis on attend le résultat après. Portez-vous bien et des bisous, des checks. Et le syndrome Kabuki est resté pour le raid, ça fait des points de chaîne. Bye bye. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Le syndrome de Kabuki a été décrit par Noruo Nikawa en 1981 au Japon. Et il touche une personne sur 32 000. Le nom du syndrome a été donné en référence au Kabu, le fameux Kabuki au Japon. Kabuki au Japon. Quel âge donneriez-vous à ce jeune homme? Le fameux Kabuki. Ce syndrome n'est pas forcément étrange en soi. Étrange en soi. Au Japon. Mon père, lui, reste indifférent, mais ma mère, elle en a un peu ras-le-bol. Parce que ça fait beaucoup de bruit. Le fameux Kabuki. Avant de vous l'expliquer, quel âge donneriez-vous à ce jeune homme? Le fameux Kabuki. C'est le nombre de symptômes que comporte le trouble qui est impressionnant. Impressionnant. Étrange en soi. En effet, les personnes atteintes du syndrome de Kabuki ont... Quand on commence à perdre, le niveau de vie commence à baisser, alors ça, l'angoisse monte un peu plus, alors il faut toujours à chaque fois tuer un autre ennemi pour essayer d'avoir un point de vie. Il y a toujours ce même truc qui se répète.